Voilà. Ah, ça a pas fait si mal que ça, tiens. Merde, non! Attends, il se passe un truc. Ah! Est-ce que je reviens? Ouais, après, sur le gars, faut bien les pecs, hein. Alors. Qu'est-ce que c'est que cette merde, maniade? Ah bah tiens, raté! On en parlait, justement, sentir. Magie. Trance. Voler. Bon. Comète. 4000, ça l'a pas tué? Ah si. Oui, bah c'est pas déconnant en même temps, Goodspeed. Ça fait fois 3 le sort, donc c'est un peu moins efficace, ça me choque pas pour le coup. Y'a quoi là-bas? Oh là. Ah, y'en a deux maintenant, putain. Allez, salut. Partez. Soyez pas inquiets. Je vous veux aucun mal. Y'a pas la peine de revenir. Arrêtez, je vous prie. Ça suffit maintenant. C'est la sorcière, mais tu dois aller à la source chaude. Ah putain. Ah, attends, la source chaude. Bon, moi j'ai déjà réussi à revenir. Attends, donc c'est... Merde, putain. Je pense que je vais enlever les combats. On va enlever les combats. Allez, salut. Ok, donc... Je suis où, là? Ouais, là j'en ai ma claque, là. Tellement bien pour enlever les combats, hein, je le dis haut et fort. Là, je suis... Ok, passage, je suis au 17. Ah oui, 18 ou 13. Ok, donc là, on va aller vers le 13. Attends, source chaude. C'est le combien, source chaude? C'est ça, le truc? Je sais pas, c'est le combien, moi, source chaude. Ah, écran de la source chaude, c'est le 14. Mais j'étais allé au 14, tout à l'heure. T'es sûr? Attends, écran à toucher, on va aller voir la sorcière. Mais j'y suis allé au 14 tout à l'heure. The fuck. Et là, je suis au... Là, je suis au 13. Peut-être l'autre 14, alors? Ah, il y avait une source à toucher, merde. Ah oui, là. Y aller... Source thermale. Tout ce que je dois faire, c'est toucher la source et maintenant retourner voir la sorcière. Seriously. Putain. Faut le trouver, le truc, hein. Alors, attends. Et d'ici, je retourne à... 13, 14... À l'autre 14, je crois. Non. Je viens d'où, là? Putain. Au 10? Non, merde! Comment je suis arrivé là? Parce que là, ça amène le 14, là. Pourquoi j'arrive plus à y aller? Ah, putain! À bout d'un moment, je tombe forcément, quoi. Et là, je suppose que je dois me re-retaper la... Quel enfer. Ah.
Ouais, salut. Oh, t'es un niveau. Faut-il encore que j'arrive à re-retourner dans le truc? Ça intéresse bien, Alexandre. Hein. Ouais, quand même, 4000 points de vie, le bordel. Hein. Ok. Je l'ai couillé celui-là. Ah putain. C'est reparti. Merde, c'est là. Attendez. Ok. On arrive les combats, maintenant que j'ai trouvé. Oh, ici il est le bordel. Oh, il fait tellement mal en contre-attaque. Ah, pas Chocobo niveau plus 1. Hein. Alors. Ok, donc. Est-ce que je dois retourner faire la source ou c'est ou pas là? Je sais pas si ça a repris à zéro ou non. Là, je suis sur l'écran. Quel écran ça? L'écran 15. Donc je peux aller au 11 ou au 9. Putain, je sais pas. C'est l'enfer. La source c'est bon, donc là, faut que j'arrive à retourner au 18. Ah, c'est lequel celui-là? Ah, c'est le 11. Oh mon dieu. Oh, tu l'as juste à aller voir la sorcière. C'est pas si simple. Hein. Tu présentes ça comme si c'était simple. Ça ne l'est pas, hein, je te le garantis. Hein. Mais y'a aucun truc qui m'y amène là, c'est l'enfer putain. Attendez, là, j'ai le choix entre 15, 12, 9 et 4. Mais aucun d'entre eux m'amène à ce qu'il me faut. Ce qu'il me faut aller au 17, avant le 17, le 13. Et avant le 13, le 3, le 10 ou le 14. Ah, je vais bientôt tomber dans les pubs, hein, comme d'hab. Cinq. Ah, 10, c'est pas mal, non? Attendez. 10, 13. Attendez, c'est pas mal, là. J'ai une chance. Le lac. Okay. Si je tombe pas dans les pommes, j'ai une chance. L'arbre. 13. Tombe pas dans les pommes, s'il te plaît. Pas maintenant, j'y suis presque.
Ok. Ah non, le 13 amène pas au 17, mais le 17 amène au 13. Oh, fuck that shit. Parce que le 19, c'est pas la grotte, hein. Ça va être quand même intéressant, on va peut-être essayer ça. Ça va faire un nouveau truc. 13 amène au 3. Ça va être au bout d'un certain nombre de changements, je pense que je tombe dans les pommes. Voilà. Putain. Ah, c'est une abomination. Hein. Et encore, je peux enlever les combats, mais à l'époque, les gens pétaient un câble. Hein. Je pense vraiment qu'il y avait de quoi devenir... perdre des neurones, hein. Mais comment je peux revenir au début, putain? Attendez. On va baliser. Ok. Alors. Je sais pas si c'est une question de temps ou une question de trucs traversés. Alors là, je suis au combien? Là, je suis au 15. Ok, depuis le 15, comment je vais au 18? Réfléchis. Alors, j'ai le choix entre 11 et 9. Le 11 m'aidera en rien du tout. Le 9 m'amène au 10. Le 10 m'amène au 13, mais le 13 m'amène au 14, mais le 14 ne m'amène pas... Ah, m'amène à une autre partie du 13. Il y a deux 13. Ah non, c'est les deux là, ouais. Je vois vraiment pas comment y aller. Hein. J'ai pas fait exprès d'y aller tout à l'heure. Hein, c'est... Là, je suis au 15. Avec le 15, je peux revenir au... Je vous dis au 9 ou au 11. Depuis le 4, peut-être, dans ce cas, sinon. Depuis le 4, je peux aller au 1. Parce que, attends... Du 13, tu... Bah, j'ai pas trouvé, moi, regarde. Parce qu'on voit que le 17, il y a 13, mais si tu regardes bien, regarde l'image du 13, il y a nulle part marqué l'image qu'on peut aller au 17, hein. Je me suis fait avoir pareil tout à l'heure. Toi, t'as vu le 13 en pensant que tu peux passer du 13 au 17. Mais si tu remontes sur l'image du 13, tu verras qu'il y a deux passages 14, un 10, un 3. Il y a pas de passage 17. Je ne sais pas comment aller, en fait, au 17. Ils le disent, violence, c'est du 13, mais je vois pas comment. Soit ils sont plantés dans leur truc. Parce que du 13, je vois le 14, 14, 10, 3. Je sais pas si c'est ce que tu vois aussi. Hein. C'est l'enfer. L'enfer. J'ai l'impression que c'est depuis le dehors, c'est depuis le désert enneigé, quoi. Qu'ils ont trouvé ça. Tu as deux chemins au 14 qui mènent au 13. Oui. Ça, on est d'accord. Tu penses que l'un des deux... Bah, mais ça me fait revenir au 13, il n'y a toujours pas le 17. Hein. Bah, je peux essayer, écoute, attends. Donc, on l'a dit, je suis au 15, là. 15. Je peux aller à 11. Non, c'était... Faut que j'aille au 9, c'est ça. 15, 9, 10, donc. Tac. Hop, ensuite. Là, je suis au 10. Et donc, depuis le 10. Là, je suis au 13. Salut, Fab Fab. Tu vois, là, je suis au 13. Mais techniquement, là, en haut à gauche, c'est le 14, et là, logiquement, je vais encore vers un autre truc du 14. Je sais pas, peut-être que c'est un bug.
Hop. Là, c'est la source. Super. La source, c'est le combien? Attends. La source, c'est le... C'est le 14. Ah, mais il y a plusieurs 14 dans le 14. 14, 14. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs 14, en fait. Il y a le 14 source, et il y a le 14... Je comprends pas. Parce que là, moi, depuis le 14 que je vois en screen, c'est pas du tout le même. Ah non, si, il y a la source, d'accord. Ok. Et là, je reviens juste au 13, hein, c'est tout, je crois. Regarde. Ah non, ça, je reviens juste au 13 ici. Hein. Ouf. Ah, chier, tu t'es fait avoir comme moi avec 17 qui ramène au 13. On peut aller du 17 au 13, on peut pas aller du 13 au 17. Et je vois pas comment on peut aller au 17, en fait. Si quelqu'un sait, je suis preneur. Hein. Je lui dis, là, ça m'en fout. Je suis loin d'aller de cut pour les bouffer et faire autre chose, j'en ai ras-le-bol, là. Et de juste enchaîner. Parce que là, logiquement, ça m'amène... À nouveau au 14. Ah! Materia, couture supplémentaire. The fuck? C'est quoi, ça, coupure supplémentaire? Si quelqu'un connaît. Ah, je reviens à la source, hein. Allez, là, je quitte sur le désert. Putain. Putain. Bon, tant pis, hein. Fuck that shit. Oh, mais laisse tomber, hein, ça me casse les couilles. Là, en fait, c'est en train de me gâcher le plaisir, donc c'est pas fun du tout. Hein. Le but du jeu, c'est de jouer pour s'amuser, hein, pas pour... Je suis pas venu ici pour souffrir. Hein. Hop. Fuck that shit. Ça, c'est le biais du sunk cost fallacy. En gros, plus tu passes du temps, plus tu dis que tu vas y passer du temps. What? Oh putain. Normalement, faut juste savoir renoncer. Les gens savent pas renoncer. Hein. Moi, si. Genre, arrêtez les conneries. Hein. Ah, j'ai pas fait gaffe. Oh là là, mais c'est quoi ce passage de con encore? Ah putain, enfin. Au secours, quoi! Alors, personnage lancera... PS5, t'es là. Non, ça sera sur le... Je le ferai sur le setup canapé. Mais je le ferai... Au final, je pense que je les ferai pas des one avec SOD. On va voir. Parce que la veille, il y a la Stepog, donc je pense que je les ferai pas des one. Ça dépendra où j'en suis dans SOD. Mais PS5. Non. Je te rappelle pas, j'ai déjà fait le 1, hein, en plus, sur Escan Rush. Non, ça a trop vieilli pour moi, là. Le problème, c'est que, tu sais, j'ai joué au 1, et ensuite, j'ai été sur le 2. Depuis que j'ai joué au 2, le 1, c'est fini, quoi. Enfin, c'est un très bon jeu, mais il a 10 ans, quoi. Quand tu verras le 2, t'as pas envie de jouer au 1. Si j'avais pas joué au 2, j'aurais peut-être encore envie, mais... Là, c'est foutu. Hein. Donc, alors, attendez, ça veut dire que si je fais un... attendez, que je comprenne bien. Non, ça m'emmerde déjà. Voilà, zone de la montagne. Non, le 1, je l'ai vu SOD. Ah, c'est 22 mars! Autant pour moi. Bon, après, si j'ai reste longtemps, ouais. Mais je confonds avec 22 février, parce que moi, c'est à cette époque qui est 21. Je pensais que c'est 22 février, pas du tout. Donc, oui, non, ça sera des ones, effectivement. Oui, non, là, j'aurais fini.
Enfin, j'aurai fini. Je serai en mode chill sur le soleil. Hein. My bad. Désolé, je suis un peu trigger, rien à voir avec toi. Là, le passage, il m'a cassé les couilles, là, putain, dans la glace. L'enfer. Putain, l'enfer, quoi. Oh, putain. Il faut juste pas m'écarrer, c'est ça pour... Ah, mais quand on n'est pas en x3, c'est plus simple de se remonter à température. D'accord. Ok. Ça m'a servi à quoi d'aller à droite? À rien? Je suis vraiment allé à droite pour rien, là? Du coup, choix difficile, grand ou Dragon Zogma? Bah non, attends, je comprends rien. Grand Blue Fantasy... Ah, pour toi, tu parles. Bah, après, t'as le temps, hein. Grand Blue Fantasy Running, c'est le 1er février, par contre. Donc, t'es large, hein. T'es très, très large. Ça te fait un mois et demi entre les deux. Hein. Parce que j'ai les soins. Après, si une question de pognon, c'est encore autre chose. Mais si c'est une question de temps, t'es très large. Alors pour le coup, les deux jeux ont rien à voir. C'est très facile d'y répondre. Est-ce que t'es plutôt JRPG ou Heroic Fantasy? Simple que ça. Hein. Très 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 différent côté. Dragon's Dogma, c'est une aventure narrative d'Heroic Fantasy. Grand Blue Fantasy Rolling, c'est un JRPG. Faut aimer les Tales of. Tales of avec le petit côté MH. Genre tu farmes. Mais c'est vraiment dans le personnage quoi, avant tout. C'est-à-dire que tu vas contrôler des personnages. Dans Dragon's Dogma, non, c'est une aventure avec des héros et tout, quoi, mais ça a vraiment rien à voir, quoi. Sauvegarder, oui. Je sais pas ce que je vais me faire à bouffer, moi, ce soir. Putain, comment on grimpe encore? Oh putain.